Rachid Qureishi est un artiste d'origine algérienne et un citoyen du monde. Il vit à Paris, où il nous fait la joie de nous recevoir dans son espace de travail, espace où se côtoient tableaux, sculptures, céramiques, livres d'art, témoignages des multiples talents de cet artiste singulier et humaniste. Rachid Qureishi, est-ce que vous voulez bien vous prêter à l'exercice de remonter aux sources de votre nom et nous dire donc d'où vous vient ce nom de Qureishi? Ma famille, comme le nom l'indique, vient de la tribu des Quraysh, dont Mohammed faisait partie. Et en fait, ma famille est venue au 7e siècle. Donc, en partant de la Mecque, en faisant un chemin, ils appelaient à l'époque, on part en Occident. Dès le 7e siècle, c'est-à-dire de tout de suite après la révélation. 645, voilà, 645. Mmh. Ils ont quitté la Mecque en deux parts. Une partie de la tribu qui est partie vers le nord, qui ont fait la Mecque, Basra, Bagdad, Tabriz, donc en Iran actuel, traversé l'Azerbaïdjan, ils sont installés le long de la mer Gaspienne, dans un lieu qu'on appelle aujourd'hui le Daghestan, mmh. et qui dépend encore de la Russie. L'autre partie est allé vers l'Occident, donc ils ont fait la Mecque, Jeddah, Médine, Jérusalem, le Caire, Benghazi, Tripoli, et en sont rentrés dans la Tunisie actuelle, ils ont fondé la ville de Kairouan. Pour les voyageurs qui vont aujourd'hui, ils verront que collé à la mosquée, gravé dans la grande pierre de la muraille, cimetière des Qureishi, et il y a un sublime cimetière formidable installé là-bas, et puis de là, ils sont rentrés dans le désert, et ils sont installés dans la partie qui aujourd'hui fait partie du Sahara algérien. Et mon ancêtre, Adouani, est rentré plus au sud, dans la région qu'on appelle aujourd'hui Oued Souf, l'Oued des Soufis. Est-ce qu'on peut dire aussi que très tôt, dans votre généalogie, cette veine soufie a existé et dont vous êtes aujourd'hui l'héritier en fait? Le soufisme est parti, je dirais presque, avec un tout petit nombre au départ. Les plus anciens, on sait très bien que ça part de Rabah al-Adawiya, de Hallaj, etc. Mais en même temps, le maître spirituel, en fait, qui englobe toutes les spiritualités, surtout maghrébines, viendrait de Sidi Abdel Qadr Jilani, qui est le grand mystique de Bagdad, qui est enterré à Bagdad. Mais les Awiya Qadiriya, qu'on appelle, donc venant de Sidi Abdel Qadr Jilani, sont installés partout, et beaucoup en Afrique du Nord. Mais c'est des cénotaphes. C'est-à-dire que c'est des tombes sans corps. Et en fait, c'est la coupole qui coupe. Parce que nous, notre confrérie, c'est pratiquement la dernière des confréries qui s'appelle la Tijaniya, qui est venue assez tard, mais qui boucle. Comme le prophète a bouclé le cycle des révélations, la Tijaniya boucle le cycle, justement, des grandes confréries mystiques. Qu'on peut dire, Rachid Qureishi, que la spiritualité, et singulièrement la spiritualité de l'islam, nourrit votre œuvre? D'abord, je suis né dedans, dans le chaudron. Ça, c'est une première chose. Je ne travaille pas dans ce que je fais si je n'étais pas d'une source particulière. C'est vraiment lié. C'est pas une rupture. En Occident, souvent, on a vu des cycles de production artistique qui annule celle qui était avant, on parle du réalisme, du surréalisme, du etc. Bon, chaque fois, il y a des pointillismes, etc. Bon, on connaît toutes les écoles occidentales de travail. Depuis que je suis venu en France, je suis venu avec mon bagage, avec ma formation, avec tout ce qui a traversé mes pores, mes cellules, et qui a traversé ceux de ceux qui m'ont précédé. Nous, on a un socle sur lequel on tient. La culture, la civilisation de l'islam, même si sur le tard, et pour certains, pas pour tous d'ailleurs, la figuration a été enlevée, soi-disant, parce qu'il ne faut pas de figuration dans l'islam, mais on le voit très bien dans les enluminures perses et autres, iraniennes et autres, ou même Mohammed, donc on peut le figurer, même voilé ou pas voilé, etc. Mais en même temps, la culture de notre religion a été celle aussi de mettre en permanence dans la création tous les grands corps de métier d'artisanat. Et dans artisan, il y a le mot art qui commence. Donc, c'est le travail des mains,
Et c'est eux qui ont embelli tous nos lieux de culte, tous nos grands jardins. On pense à tout le jardin d'Alhambra, mais il y en a plein d'autres. Les jardins suspendus de Babylone, il y en a plus d'autres. C'était avant l'islam, mais en même temps, c'est resté. Et on a pris dans nos pays et dans les cultures des choses positives. Et ce n'est pas un hasard. Ça fonctionne avec la terre, le végétal, l'amour du végétal absolu, puisque nos drapeaux, la plupart, sont de couleur verte. C'est une couleur de la verdure, pas de couleur de sable. Et en même temps, les mystiques sont toujours allés dans les déserts. Tous les mystiques et tous les grands prophètes viennent du désert. Ils ne viennent pas des grandes cités, des grandes villes, ils viennent des déserts. Le désert est la chose la plus austère, en même temps la plus épurée et la plus belle. Vous voyez ces vagues de ces montagnes de sable que nous on appelle les ergues. On a retrouvé aussi les traces sur les dessins et les gravures rupestres des premiers hommes et des hommes qui n'étaient pas des artistes dans le sens qu'on conçoit aujourd'hui. C'était simplement des pasteurs, des gens qui accompagnaient leurs troupeaux de moutons, de chèvres, de chameaux, de chamelles, etc. Mais qui, le temps des grands pâturages, faisaient des choses qu'aujourd'hui ne pourraient jamais faire des artistes formés dans les écoles d'art. Donc avec le déplacement des corps, des mouvements des animaux, etc. Et donc, je pense qu'arriver à épurer au maximum les choses est la chose la plus importante pour nous aujourd'hui en tant qu'artistes. Et en même temps, cette confrontation avec de l'art, moi je ne me vois pas dans la terminologie d'artiste. Je fais des choses, je ne mets presque jamais le terme créateur, il n'y a que Dieu qui crée. On n'est pas des créateurs. En fait, il y a des choses qui sortent de nos doigts, tu vois, il y a des flux comme ça, et qui donnent des choses. Et ce n'est pas un hasard aussi, je travaille beaucoup avec les meilleurs corps d'artisanat de nos contrées, même si je suis allé travailler à Ann Arbor, dans le Michigan, si je travaille à San Francisco, etc. Mais je viens avec le poids des cultures, de notre culture qui m'a devancé depuis longtemps, et que sur laquelle je suis en positionnement d'actualité et qui va continuer. Donc, c'est pour ça que je dis que dans notre travail, quand on le fait, moi, mon travail posé à New York ou à Londres ou à Berlin ou ailleurs, c'est une présence de tout ce qui est derrière moi, de millions de gens qui m'ont devancé. C'est aussi une pierre quelque part posée. Je suis très peu exposé en France, où je vis depuis presque 50 ans. Je ne suis pratiquement pas exposé dans mon pays d'origine, qui est l'Algérie. J'ai fait le deuil de ça, mais moi, quand je vois une œuvre de Matisse ou de Léonard de Vinci ou de Michel-Ange dans n'importe quel bout de la planète, c'est le Michel-Ange, né dans son pays en Italie, qui a fait ça, qui a laissé ça, etc. Que le positionnement sur cette boule, qui est le globe, n'est pas un sens. Mais lui fait ce qu'on pourrait dire l'éternité des créateurs. Là, je mets le terme créateur. Parce que bien au-delà de sa vie, il a créé quelque chose qui ne lui appartient qu'à lui, mais dont il fait don à tous les autres. Et pour moi, c'est là le rapprochement avec la mystique. Faire don sans chercher à savoir quel est le regard qui est posé dessus, la perception qui est posée dessus. Artiste de renommée internationale, Rachid Qureishi expose régulièrement en Europe et aux États-Unis. Il a été récemment à l'honneur au Royaume-Uni. Ses œuvres ont été exposées au British Museum, au Victoria and Albert Museum et dans la prestigieuse October Gallery. Autant d'occasions de contempler son travail, de méditer sur la beauté des formes et de se plonger dans la profondeur des signes. Tant que nous vivons est d'une violence incroyable. Je n'avais pas ce bouclier où je m'enferme sur cette table ou dans les ateliers qui sont à Madrid ou à Barcelone ou ailleurs, au Caire et ailleurs, me permet de rencontrer des humains normaux, je dirais normaux, dans le sens où il n'y a pas cette notion de violence et de différence. Et ça, c'est d'abord, c'est ma part de nomadisme que j'ai hérité aussi, et en même temps, d'essayer de mieux comprendre les gens. Ils peuvent nous comprendre. J'y vais d'abord parce que j'ai choisi les meilleurs que je pense être les meilleurs des artisans. Et
En même temps, je me dis, je loue un lieu, un appartement, une maison dans le pays. Je mange la nourriture du pays. Je vis au rythme du pays. Je ramène un budget en vendant des œuvres. Donc, à ces gens, ils savent pendant un an, le Caire, c'est souvent 4-5 ans, ils savent pendant 4-5 ans, ils sont couverts. En me disant, vous devez me faire le top du possible. Ne vous posez pas la question du temps que vous mettez. Les objets, à la fin, en fin de course, je les vends peu, très peu. En général, je fais, en principe, je veux toujours 7 pièces en plus de celles que je veux conserver. Je suis peut-être un des artistes rares qui conserve au minimum 85% de mon travail. Mais les finances partent surtout à la fabrication d'autres œuvres. Donc, ça me permet d'avoir cette liberté de décider qui je vends et qui je ne vends pas. Et décider quel prix je mets ou quel prix je ne mets pas. Très souvent, quand vous dessinez, quand vous faites ces formes de dômes, c'est une façon aussi de vous souvenir de votre, de cette présence spirituelle des dômes. La famille venait du désert et elle a cherché un désert. Ils ont pu rester dans les plaines, les belles plaines, etc., ou les montagnes. Non, ils ont cherché le désert pour retrouver l'origine d'Arabie. Pour nous, la coupole, c'est cette chose formidable qui nous abrite des chaleurs. Dans le Sahara, et on connaît Oued Souf, ça a été toujours appelé la ville aux mille coupoles. Pourquoi ? Parce que la coupole, en fait, c'est le dôme d'abord qui protège. La coupole est toujours moitié à ombre, moitié soleil. Et l'ombre est, dans la mystique, quelque chose de très important. L'ombre, c'est le rapport absolu à la fidélité. Je dis bien absolu. Parce que le bébé qui naît commence à mettre à quatre pattes, il a son ombre qui le suit. Quand on devient adulte, sa vie entière, l'ombre nous suit. Et quand on meurt, elle rentre avec nous dans la tombe. Elle ne nous laisse pas tout seul dans la tombe. Donc voilà, c'est cet alignement sur la réflexion du mystère. Oui, alors vous parlez de tombe, et du coup, j'ai envie que vous me parliez de l'hommage rendu aux morts du passé, que vous rendez vivant à travers votre art. Moi, je me questionne des fois en me disant, c'est bizarre, où je suis parti du statut d'artiste au statut de fossoyeur, qui pour moi est assez particulier. Et puis, en réfléchissant un peu, je me suis dit que depuis la nuit des temps, sur les champs de bataille, il y a les ramasseurs de cadavres qui nettoient les dégâts des humains. C'est des vies qui partent, mais c'est vrai que je pense que les peuples qui ne donnent pas une part de sacré dans la tombe, le rapport à la tombe, la dernière demeure, qui n'est pas en fait la dernière demeure, parce qu'il y a eu des milliards d'humains qui sont déjà rentrés sous cette terre. En passant aussi par le fait que cette terre nous a nourri toute notre vie, et qu'elle a nourri nos ancêtres et notre descendance qui va venir aussi. Et quelque part, on est les ferments aussi qui faisons que cette terre devient plus riche et plus féconde avec nos restes. Quelque part, on se pose la question, est-ce qu'on ne mange pas quelque part une forme de cannibalisme, mais juste comme ça, asymétrique, donc nos propres ancêtres. Et cette terre a besoin d'être nourrie, et nos corps la nourrissent, comme elle nous a nourri toute notre vie. Donc je pense que c'est un bon retour des choses. Et en même temps, les peuples qui ne sacralisent pas leurs morts, ils ne sacralisent pas leurs vivants non plus. Et malheureusement, on voit beaucoup dans nos pays aujourd'hui, où nos cimetières sont pas mal saccagés. Ils ont été détruits par les intégristes, détruits par les gens dont leurs propres parents sont dedans. Sur cette trace des tombes, du respect des tombes, j'ai déjà fait le cimetière qu'on appelle Jardin d'Orient, au château d'Amboise, qui était le château de François Ier, où était prisonnée la famille de l'émir Abdelkader. En partant en 1852, libéré par Napoléon III, pour aller en Orient, l'émir a laissé derrière lui, dans une fosse commune, 25 corps. Et je me suis dit, en allant un jour au château de Chaumont, pour mes jardins du paradis, je suis allé faire une prière, et quand j'ai vu cette terre vide, avec des chiens qui malheureusement pissaient dessus, que c'est pas normal, ce n'est pas normal du tout, tout en pensant que les gens, les citoyennes d'Amboise, le curé d'Amboise, les sœurs Roger d'Amboise, ont été merveilleuses avec cette famille.
Vraiment. Ça, avec tout le respect que j'ai, pour, d'une, pour la religion chrétienne, et en même temps pour la population qui a bien accueilli cette famille, qui a fait son devoir d'hospitalité et d'humanité. Ce travail, je l'ai fait en 2005, qui est aujourd'hui devenu un lieu de pèlerinage. Et beaucoup de confréries soufis viennent en groupe, font un voyage réellement là. Et je citerai encore, faut pas oublier, que dans ce lieu, il y a aussi la tombe de Léonard de Vinci. Oui. Et qui mieux que ces gens qui sont retrouvés avec la proximité, mais très grande proximité, avec un grand artiste de l'humanité. Est-ce que vous voulez bien nous en dire un peu plus sur ce jardin d'Afrique qui est vraiment un projet superbe, non seulement esthétiquement, mais aussi peut-être encore plus intensément sur le plan humain? Ça, c'est quelque chose que je n'attendais pas du tout, de me retrouver de nouveau fossoyeur. Parce que ma fille aînée Aïcha m'appelle et me dit « Papa, est-ce que tu sais qu'il y a une ville au sud de la Tunisie, Jargis, dans laquelle on jette les cadavres à la décharge publique ?» Je dis « Pardon ?» Elle m'a dit « Oui, j'étais sûr de cette histoire ?» Je ne peux pas comprendre dans un pays comme la Tunisie, ou un pays au moins où l'islam est prépondérant, qu'on fasse un acte pareil. C'est anormal. Et on est parti là-bas. Chaque année, des milliers de migrants fuyant la guerre, l'oppression ou la misère tentent de traverser la Méditerranée. Nombre d'entre eux meurent lors de cette traversée. Rejetés par les courants marins, leurs corps échouent en terre tunisienne, principalement à Zarzis. Ces hommes, ces femmes, ces enfants jetés dans l'oubli sans nom et sans prière, sont enterrés à la hâte dans des fosses communes. C'est à ces malheureux que Rachid Koreichi s'est donné pour mission d'offrir un lieu de sépulture digne et empreint de beauté. La première personne que j'ai contactée, c'est le président du Croissant Rouge, qui s'appelle Moujislim, qui est un vrai homme merveilleux, qui est pharmacien, une grande famille de là-bas, qui était le premier que j'ai appelé de Tunis en disant « Écoutez, je veux venir là-bas. Voilà ce que me dit ma fille. » Elle m'a dit « Effectivement, malheureusement, ça existe. On est débordés et je vous attends. » Au départ, ce qu'on voulait, juste un petit terrain où on peut enterrer dignement des personnes, mais le résultat est vraiment différent. Et Rachid Koreichi donc nous a donné vraiment le plus pour cet endroit. Z351. ADN moins Non, ADN plus. ADN plus. Voilà. Donc tu peux la coller. Aujourd'hui, je suis fier. Je vois enterrer d'une manière digne et individuelle ces personnes, avec du numéro et surtout avec cette possibilité de reconnaissance ADN stockée donc dans un hôpital à Gabès, pas loin d'ici, et qu'une reconnaissance de la personne est possible. Et ce qui est arrivé, déjà, nous avons une famille libyenne qui a pu reconnaître ici, parmi ces personnes, la tombe de leur enfant, aussi disparu en mer, qui a préféré le garder ici que de le prendre donc chez lui. Il dit qu'il ne peut pas trouver un meilleur endroit que celui-là. Les migrants qui ont survécu sont des témoins vivants de ce long et périlleux voyage. Nombre de leurs compagnons d'infortune sont morts et sont enterrés ici, à Zarzis. Ma nationalité est nigérienne. Je suis de nationalité nigériane. Mon origine est le Biafra. Les Biafras sont les gens de l'est du Nigeria. Tout le monde court dans tous les sens. Aujourd'hui, ils tuent les gens de maison en maison. Je ne sais pas comment on peut survivre à cela si on ne quitte pas le pays. Des hommes armés ont tué mon père. Je n'ai pas connu mon père. Donc, c'est pour cela qu'on est venu ici. J'ai la foi. Je l'ai fait pour cela. Je n'abandonne jamais. Parfois, tu perds la mémoire, tu perds le futur. Tu penses que c'est la fin du monde. Lorsque tu regardes devant toi et tu ne vois pas ta famille, tu ne vois pas ton frère, tu ne vois pas ta mère, puis tu regardes derrière toi et tu ne vois personne. Tu ne sais pas quoi faire. Mais avec Dieu, quand je me rappelle qu'il y a Dieu, je mets plus de foi et plus de force pour aller de l'avant. Quand je sais que je ne suis pas dans la tombe, je pense que demain sera meilleur pour moi.
C'est ça mon espoir. Mon nom est Sadiq, je viens du Soudan, de la région du Darfour. Personne ne pense à s'exiler, mais ce sont les conditions qui te poussent à le faire. Parce que ton pays est en pleine guerre et tu ne peux pas rester. J'ai pris le même chemin que mes compagnons qui ont péri. Nous étions un groupe de 116 personnes dans une embarcation, dont 3 sont tombées et 2 se sont noyées juste devant moi, sans que je puisse faire quoi que ce soit, parce que épuisé par 3 jours de mer. Une immense douleur. Je remercie beaucoup ceux qui ont construit ce cimetière pour enterrer dignement nos amis. Mon souhait est que les gens ressentent un peu ce que l'homme vit dans d'autres régions ou dans les pays en Afrique de manière générale. Mon souhait est que l'humanisme passe avant toute chose. Le corps pêché dans la mer, arriver à l'hôpital, faire la prise d'ADN ou passer à Gabès et revenir, c'est le travail de la municipalité. C'est un cimetière créé et fait par un grand artiste, M. Kourachi. C'est un homme très humaniste et très sensible. Il a acheté le terrain, il a construit, il a fait tous les travaux sans que nous payions aucun sou. Donc c'est le travail complet de ce que vous venez de voir ou de filmer, fait par cette personne que nous acceptons et nous accueillons comme une personnalité internationale qui fait un travail humain à l'échelle internationale. J'ai appris des choses avec lui, parce qu'il est artiste, il a un point de vue un peu différent. C'est un projet particulier, pas comme les autres projets. Donc lui, en tant qu'artiste, il a intégré de nombreux symboles. Il y a les 5 oliviers qui rappellent les 5 piliers de l'islam. Il a aussi dessiné les symboles du calpinage, qu'il a voulu comme un tapis de prière, honorant les corps des défunts lors de leur arrivée ici, dans le respect et la dignité due aux défunts tout au long de cette allée centrale. Après, nous avons les allées secondaires qui accueillent des plantations variées. Nous avons le musc, le jasmin de la nuit. Il a voulu un jardin, il a créé un vrai jardin du paradis pour ces migrants. Et nous le remercions vivement pour cette belle idée et sa participation. Personnellement, je suis heureux d'avoir fait la connaissance de M. Rachid Kourachi. C'est une très belle expérience, vraiment. À Zarzis, Rachid Kourachi a créé un jardin de la mémoire, tout en signes et symboles. Un lieu pour prier, pour témoigner que, quelles que soient leurs origines ou leur religion, les êtres humains forment une seule et même grande famille. Salam alaikum. Le principe, quand on rentre dans un lieu presque sacré, c'est d'abord de saluer tous ces morts qui sont là, et les vivants quand ils sont là aussi. Le principe que j'ai fait, c'est que j'ai déroulé un énorme tapis de prière. Ce qui permet à ces gens d'avoir une notion d'un très très grand respect, d'abord pour eux, parce qu'ils vont finir leur temps de vie ici. J'ai mis 3 oliviers ici, 2 autres ici. Ce qui permet de voir qu'en fait, c'est les 5 symboles de l'islam, Shahada, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, c'est Salat, Zakat, Soum, Wul Hajj, les Ministatés, les Nijab. Pour nos amis chrétiens, nos frères chrétiens, j'ai mis 6 vignes d'un côté, 6 vignes de l'autre côté, qui symbolisent les apôtres autour de Jésus-Christ. Ça, c'est un principe donc fondamental, d'autant qu'on a beaucoup de défunts, malheureusement, qui sont aussi chrétiens. Les allées, de chaque côté, il y a des plantes. Donc,
Il y a d'abord des orangers amères, le principe de l'amertume. Et en même temps, l'oranger amer, on en fait de la confiture. Et en plus, en arabe, on dit mazhar. L'eau de fleur d'oranger, elle est là. Et en fait, si je traduis mazhar, ça veut dire l'eau de la chance. Donc, amertume, sucré, eau de la chance. Deuxième contre-allée, c'est des grenadiers qui symbolisent la grenade, l'humanité réunie, l'humanité concentrée, pas un grain de grenade qu'on peut écraser. Troisième double contre-allée, c'est des jasmins. C'est l'odeur du jasmin qui est très belle, qui va embaumer. Quatrième, ça va être du fel, qui est un jasmin de Perse. Par la suite, il y a les galants de nuit, mesklil, le musc de la nuit, qui lui ne donne son odeur que la nuit. Donc ça va être embaumer totalement ce lieu d'odeur, comme quand on rentre dans une église, une mosquée ou une synagogue, l'odeur de l'encens. Là, c'est l'odeur des galants de nuit. Dernier élément, donc ça va être des bougainvilliers rouges, rouge vif, symbolise le sang vif, clair, qui donne la vie, qui est dans la vie, qui nous permet de vivre. Là, on est devant l'entrée de la mosquée. Vous verrez que la porte est une porte très ancienne, elle est du 7e siècle. Au-dessus de la coupole, j'ai bien installé les symboles des trois religions monothéistes. La grande boule qui est dessus de la coupole symbolise le judaïsme, première religion monothéiste. Vient après le christianisme, vient après l'islam, qui clôt donc les religions. Et au-dessus, il y a le croissant ouvert vers le ciel, qui reçoit l'offrande du ciel sur ces trois religions monothéistes. Ce jardin, dont la beauté témoigne de la sacralité de la vie, a été inauguré le 9 juin 2021 par Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, et Habib Amar, ministre tunisien du tourisme. La symbolique, c'est qu'il reçoit l'offrande du ciel. Ici, on est devant un drame qui concerne le monde entier, qui sont tous ces gens qui meurent dans la Méditerranée, qui est pourtant une mer de civilisation, d'humanité, d'histoire. Et tous ces gens qui perdent la vie dans une route qu'ils pensent être bonne pour eux en allant vers le nord, ils perdent la vie. Et le plus insupportable dans ces cas-là, c'est de ne même pas savoir les noms, que les familles ne sachent pas ce qui leur est arrivé, de ne pas pouvoir non plus les dénombrer. Et là, nous avons un grand artiste qui est Rachid Qureishi, grand artiste qui est un ami, qui a voulu, à partir de devant ce drame, leur offrir une sépulture, garder une trace, garder un symbole de leur passage à travers ce jardin d'Afrique. Il a voulu offrir une dernière sépulture qui soit sous le signe de la beauté. Et c'est très important parce qu'ils ont droit aussi à cette beauté. Donc moi, je suis à la fois émue, bien sûr, mais aussi admirative de ce geste, de cette offrande à la beauté, aux morts. Et c'est ça que je suis venue saluer et aussi peut-être attirer l'attention de la communauté internationale sur ce geste pour qu'il soit soutenu. Les premières impressions, tout d'abord, c'est que cet endroit vraiment redonne l'importance à la nature humaine et à l'humain, parce que ce ne sont pas que des numéros qui décèdent et qui sont engloutis par la mer, c'est aussi une occasion de mettre leur corps ici pour que leur famille puisse un jour faire leur deuil. Bismillahirrahmanirrahim.